Good morgen, allez, Iden, il est aujourd'hui le Nishmat, Dov Ben Yudit, et Gataramar Ben Chedvach, Yester Bet Miriam, Yitzhak Perez Ben Fortuna, Echei Michel Ben Sultana, Echana Bat Sultana. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sechat Shabbat, Parikud Gimel, Mishnah Gimel, Ha Korea Bachamato, Ve Almeto, Ve Chola Mekalkelin, Turin, Ve Mekalkel Almenat Nataken, Shiuro, Kim Taken. On a une Mishnah qui va nous présenter une généralité commune à la plupart des Melachot de Shabbat. Et, à part la généralité, on va avoir deux cas de figure qui sont les deux premiers cas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser sur la suite de la Mishnah, et puis après on reviendra sur la précision des deux premiers cas. D'abord, on traduit tout. « Akorea Bechamato », celui qui déchire donc, ses vêtements, « Bechamato », dans sa colère, « Vealmeto », ou bien parce qu'il a eu un ami qui est décédé, qui est mort pendant Shabbat, il a tellement de peine qu'il déchire ses vêtements. Et la question est de savoir, est-ce qu'il transgresse l'interdit de « Korea », de déchirer, vous vous rappelez, on a déjà, depuis la Mishnah précédente, la fin de Mishnah, on avait vu qu'il y avait Tofer et Korea, coudre et déchirer. Donc déchirer, c'est un travail Shabbat apparemment. Et pourtant, on va voir qu'il est dispensé. Vechol amekalkeline, ainsi que tout celui qui va détruire quelque chose à Shabbat, eh bien, il ne va être pas tour, ptourin. Ils seront dispensés d'apporter un corban, ils ne transgressent pas d'interdit de Shabbat comme ça. Mais je continue la Mishnah après j'explique tout. Vamekalkal almenat lataken, et celui qui va détruire avec intention de reconstruire derrière, shiuro kimtaken, la quantité requise sera celle requise pour la reconstruction. Et on explique un peu mieux. De manière générale, les interdits de Shabbat, ce sont des activités créatrices. On crée, on fabrique quelque chose. Vous pouvez toutes les prendre, quasiment toutes. Il y a quelques petites exceptions un peu plus compliquées. Mais c'est qu'on a fait évoluer les choses. On voulait fabriquer quelque chose, on voulait fabriquer un vêtement, donc on a tondu. Donc maintenant, tondre, c'est gauzèse. Mais la benne, on l'a frotté, on l'a lavé, on l'a rendu autre chose, on l'a teint, on l'a tissé, on l'a filé, on l'a tissé. D'accord? En général, ce sont tous des travaux créatifs. Il y a quelques exceptions à la règle. Qu'apparemment, on a, par exemple, le cas en l'occurrence, on est dans Tofer Korea, Kosher Matir, Bonnet Soter, Mavir Mechabe. Il y en a encore, je crois qu'il y en a cinq cas de figure comme ça, qui sont des travaux où la Torah me dit par exemple, tu es chayav quand tu es bonnet et sauter, quand tu construis ou même quand tu détruis. Alors il y a un problème, c'est que détruire c'est par excellence apparemment une activité destructrice. Pourquoi est-ce que je suis chayav dans ce cas-là? Maveir mechabe, allumer un feu ou l'éteindre? Alors allumer un feu, j'ai créé quelque chose, mais quand j'ai éteint un feu, j'ai pas créé quelque chose, j'ai détruit, j'ai supprimé un feu. Donc c'est destructif. La Mishnah m'enseigne que sache qu'un mekalkel, lorsque tu détruis quelque chose, tu es dispensé. Donc dans quel cas de figure je suis chayav malgré tout, sur toutes ces actions destructives, destructrices, que lorsque j'ai l'intention de reconstruire ensuite. Par exemple, j'avais un vêtement qui avait un problème, un petit défaut, il était mal fait, j'ai dû le déchirer pour le recoudre. Alors je serai chayav sur Korea et sur Tofer, sur le fait de l'avoir déchiré, parce qu'en ce moment je suis en train de réparer ton vêtement. Donc, tu sais, donc en fait, l'action de déchirer, elle entre dans le cadre de quelque chose de créatif, et constructif, de positif. Donc dans ce cas-là, tu seras chayav. Mais si juste tu déchires sans aucune intention, eh ben, tu seras dispensé. C'est le principe essentiel de la Mishnah, quand elle me dit « Kola mekalkelin purim » Tout celui qui détruit quelque chose, qui est mekalkel, qui détériore, eh ben, ils seront dispensés. Va mekalkel al menat lataken, et lorsqu'il va détruire avec intention de reconstruire, la Mishnah me dit cette fois-ci, Shiuro Kimtaken, la quantité requise de destruction sera celle qu'il faut pour reconstruire. Puisque tout, lorsque je vais déchirer mon vêtement pour le recoudre, donc déchirer, c'est la préparation à la couture qui va suivre ensuite. Alors la quantité requise du déchirement, pour transgresser l'interdit de Shabbat, sera la quantité imposée pour ensuite transgresser l'interdit de recoudre. En l'occurrence, on avait appris qu'il y avait deux points. Ouais, la menace de forge, Tetfirot. Donc, détruire, déchirer aussi, ce sera aussi de tuer. Voilà pour le principe de la Mishnah. De là va découler plein de choses. Si toutefois quelqu'un va vous dire qu'il y a certains emballages qu'on n'aurait pas le droit d'ouvrir pendant Shabbat, à l'époque par exemple c'était fréquent, où on récupérait les boîtes de conserve, il y a encore 50-60 ans, ouais, on ne trouvait pas du fer à la pelle, je ne sais pas, apparemment, dans les livres des responsables, qui n'est pas de l'aide de l'époque, ils en parlent, qu'on utilisait ces boîtes pour en mettre des clous, pour en mettre toutes sortes d'utilisations. Dans ce cas-là, ouvrir une boîte de conserve était très problématique, parce qu'on est en train de fabriquer un ustensile. Ce que je dis, c'est discuter, mais en tout cas, comme ça, si au moins on réutilise ça, ou bien
un cas fréquent encore à notre époque, que j'aime bien dire, c'est que si toutefois les pots de yaourt, si la gagnénette elle a demandé aux enfants qu'on rapporte des pots de yaourt parce qu'on va faire une super belle activité, on va planter dedans des graines de pois chiches qui vont pousser dans des petits pots, et il s'avère que maintenant, lorsque vous allez prendre les pots de yaourt pendant Shabbat, vous allez les casser, et que l'enfant il est là, il va pas vous lâcher jusqu'à ce que vous allez lui donner le pot pour l'apporter au gamin. Donc vous êtes en train de fabriquer un ustensile, bah, c'est quasiment sûr, vous êtes en grave problème. D'accord? On a le droit, peut-être éventuellement, il y a des pots qui permettent de couper, et quand c'est pour prendre et jeter tout de suite. Mais si c'est pour couper et finir de le fabriquer, il faut savoir, il y a une Gemara qui me dit, si je prends même un clou de girofle, et que je le casse pour pouvoir pour qu'il soit plus pointu, pour me curer les dents, je transgresse un interdit pendant Shabbat. Imaginez un cure-dent, vous prenez le cure-dent, et puis à un moment, il est devenu un peu trop mou, vous le cassez pour qu'il soit encore plus pointu, pour mieux le rentrer entre les dents. Vous transgressez l'interdit de fabriquer un clé pendant Shabbat. Là n'est pas mon but de parler de tout ça, mon but il est maintenant de parler de mes calquels. Donc on a bien introduit le principe. Tout ce qu'on détruit pendant Shabbat, ah oui, je vous ai parlé de ça parce que pour les emballages interdits, une chose de sûre, c'est que même lorsque vous trouvez des situations où il y a des interdits, si vous faites le travail de manière déchirante, qui abîme, alors vous ne transgresserez pas l'interdit de la Torah. Parfois ce sera même pas mis des rabbanan, parfois ce sera pas interdit de la Torah. D'accord? Selon ce principe, je peux prendre un autre exemple encore. Tuer à Shabbat, c'est un interdit, à Shochet, égorger. Mais quelqu'un qui va tuer parce qu'il s'énerve, par exemple, ou peu importe, il va tuer un reptile qui n'a pas d'intérêt ensuite de réutiliser la gouffa, alors, selon le cas, c'est ce que tu dis, d'accord, mais c'est possible que lui, il est en train de détruire quelque chose, il ne va pas transgresser l'interdit de Shabbat, Minatora, puisqu'il est en train de détruire quelque chose, il est mécalquel. D'accord? Voilà pour le principe de la Mishnah. Maintenant, je reviens sur les deux premiers cas de figure, qu'en fait, ils demandent énormément de précision. Il y a marqué à Korea Bechamato Vealmeto, celui qui déchire son vêtement dans sa colère ou sur son mort. On va d'abord parler du deuxième cas, parce que c'est plus facile. Et le premier cas, il fera l'objet d'une discussion un peu plus délicate. Celui qui déchire parce qu'il a eu un mort. Vous savez bien que quelqu'un qui a eu un proche parent qui est décédé, il doit déchirer ses vêtements. Il a la mitzva de la kriya. Il fait la bracha de Baruch derrière les mettre, et puis il déchire ses vêtements. Il s'avère du coup que là, la Gemara soulève un problème. Elle nous dit, comment c'est possible que tu me dis que celui qui va déchirer son vêtement parce qu'il a eu quelqu'un qui est mort, qu'il est dispensé à Shabbat, mais c'est faux. Parce que un endeuillé, il a le devoir de déchirer son vêtement. Il s'avère que chez lui, déchirer le vêtement, même si c'est pas avec intention de le recoudre ensuite, mais c'est une activité constructrice. Imaginez que la mode, voilà, on va prendre un super exemple qui est très à la mode, malheureusement, c'est très bizarre, ces gens qui mettent des jeans tout déchirés de partout. C'est à la mode, qu'est-ce qu'on peut leur faire? Bon, en tout cas, avant, il s'avère que maintenant, déchirer un jean, c'est devenu une activité constructrice. Bon, alors, peut-être qu'au pays des fous, leur avis ne fait pas loi, mais en tout cas, dans la mesure où je vois que tout le monde met ses jeans comme ça, tout déchiqueté de partout. Alors imaginez maintenant quelqu'un qui va s'amuser à faire un trou pendant Shabbat pour pouvoir être in, pour pouvoir être beau, il s'avère que déchirer chez lui, c'est une activité constructive. Il fait ça pour être un beau gosse. D'accord? Donc, chez lui, déchirer. Dans ce cas de figure, là, un jean, c'est comme ça, ça fait sale en plus, mais bon. En tout cas, il aime comme ça lui plaît d'avoir un jean tout d'accord. Eh bien, dans ce cas-là, cette action de déchirer, c'est une activité constructrice. C'est comme ça qu'il va finir et embellir son beau pantalon. D'accord. Du coup, c'est le même principe avec celui qui déchire son vêtement pour son mort. La Torah l'impose dans cette situation qu'il doit nécessairement déchirer son vêtement. Déchirer le vêtement dans cette situation, c'est une activité constructrice. Donc comment tu me dis que celui qui va déchirer son vêtement parce qu'il a eu un mort pendant Shabbat, qui ne transgresse pas l'interdit de Shabbat? Bien sûr qu'il transgresse l'interdit de Shabbat, et la Gemara dit oui, il transgresse l'interdit de Shabbat. Et là on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui a eu un mort, mais qui n'a pas de devoir de s'endeuiller. Son cousin, son oncle même, ça peut être son ami, il n'a pas de devoir de s'endeuiller. Donc il n'a pas de halakha de se déchirer son vêtement, il n'a pas d'obligation, de nécessité de se déchirer son vêtement. S'il déchire son vêtement malgré tout parce qu'il a de la peine, il ne transgresse pas l'interdit de Shabbat parce qu'il est en train de détériorer son vêtement. Même principe maintenant pour Akorea Bachamato, celui qui va déchirer dans sa colère. Alors là, c'est un peu plus délicat. Parce que la Gemara conclut une chose, mais le Bartonori il rapporte autre chose. Et ça fait en fait l'objet d'une vaste discussion. De quoi on parle exactement, quelqu'un qui déchire en fait? Quelqu'un qui déchire son vêtement pendant qu'il s'énerve. Il a une crise de nerfs, il n'en peut plus, il est au bout de colère, il prend un linge et il le déchire. Est-ce qu'il transgresse un interdit de Shabbat ou pas? Parce que d'un côté, il est en train de déchirer le vêtement. Imagine, il prend un marteau, il frappe sur les murs, il est en train de tout casser. Donc il est en train de détériorer. Ce n'est pas une activité constructrice. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose de constructif apparemment là-dedans. C'est que quoi?
Il se calme, ça lui fait du bien chez lui, c'est le travail, c'est ce qu'il veut faire en ce moment. Il va avoir des imaginez quelqu'un, je sais pas moi, imaginez quelqu'un qui s'amuse à prendre des verres et à les jeter sur le mur parce qu'il adore voir le verre comment il s'explose. Bon, peut-être que pour lui, ça s'appellera une activité créatrice de voir le verre qui explose, ça fait des feux d'artifice, je sais pas. Et chez lui, c'est constructif. Selon le même principe, si dans sa colère, il va déchirer un vêtement et ça lui permet de calmer ses nerfs. Donc en ce moment, c'est son exercice du matin, quoi. Il déchire un vêtement pour se calmer. D'accord? Donc là, il y aurait peut-être une part que c'est constructif. Comme ça, le partenaire y apporte. Le problème, c'est que l'agma, elle continue, elle dit non, c'est pas vrai, c'est pas constructif. Parce que, et là, c'est une grande règle de Moussa, il y a un interdit de détériorer ses vêtements, et en plus de ça, un interdit de piquer sa crise de colère jusqu'à passer à l'acte, et à commencer à faire ensuite des actes dans sa colère, de se mettre à frapper quelque chose, parce que tu crois que tu te calmes, tu fais entrer encore plus, tu attises le Yetzer Hara en toi. La Gemara lui dit explicitement, je crois qu'il le rapporte ici, Sam, la Gemara, non, il rapporte ici, c'est juste que ça s'appelle dans la Gemara, que l'Oye Becha, Elzar, tu n'auras pas en toi un dieu extérieur. La Gemara dit, c'est le Yetzer Hara qui est en toi, que quand tu vas lui, tu l'alimentes. Si tu l'alimentes, tu crois qu'il va te lâcher. Donc aujourd'hui, il va commencer à te dire, vas-y, pique ta crise. Demain, détruis. Demain, il va dire, envoie une claque à madame. Et demain, il va dire, sors un couteau et tue aussi. Et va faire la voie d'Hazar aussi, pourquoi pas. La Gemara va jusque-là. Et c'est sûr qu'il va venir. C'est une grande règle. La Bechira de l'homme, le travail, la ligne de front entre le Yetzirah et le Yetzirah, c'est une ligne qu'on déplace doucement, doucement. C'est sûr, aujourd'hui, je ne vais pas faire de la Vodazara. Mais aujourd'hui, là où je vais céder, demain, on commencera à partir de là, et puis je céderai encore plus, un peu plus, un peu plus, jusqu'à quel point je vais céder tout le terrain. Donc en fait, il ne faut pas commencer du tout. Du coup, l'Agma, elle conclut que non. Et déchirer dans sa colère, ce n'est pas une activité constructive. C'est même pas positif pour se calmer. C'est même pas un calmant. C'est un mauvais calmant. C'est un calmant qui va faire qu'il va te. Il va te faire encore plus de mal demain. Du coup, on transgresse même pas l'interdit lorsqu'on est coréen dans Ramato. C'est la conclusion de la Gemara selon Rashi et le Ravad, tandis que le Rambam et le Bartonora, ils fonctionnent. Ils nous disent que non, malgré tout, si ça calme les nerfs, c'est un petit calmant sur le moment, et donc c'est quand même considéré a posteriori comme une activité constructrice. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.